m'appelle Elena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, pour la seconde fois, je vais vous faire une vidéo sur ma journée de travail. Et aujourd'hui, je vais pas travailler dans un festival. Je suis censée vendre des glaces Shot Ice. J'ai mis mon uniforme. Donc là, je suis encore à la maison avec une amie qui a passé la nuit avec moi. Tu as passé la nuit avec moi? Passer la nuit ensemble, vous voyez un peu. Là, je cherche ma pote rapidement. Elle ne veut pas pour travailler avec moi. Ah bah si, regardez-la bien. Oui, c'est moi, faut bien me remarquer. Donc là, je me suis pratiquement apprêtée, j'ai presque fini. J'ai envie de manger rapidement, de me faire ma petite gamelle de nourriture. Bon, je me souviens assez tôt, j'ai eu le temps de préparer. Donc, je vais faire ma petite gamelle de nourriture et puis apprêter mon sac qui est sorti. À tout à l'heure. Donc, je suis au Bahnhof. J'ai couru pour faire le tour, pour prendre le train pour arriver à la gare. Ah non, j'ai couru d'abord pour arriver à la gare, pour pouvoir prendre le train pour arriver là où je travaille. Donc, là, je suis avec mon collègue Jordan. Jordan, moi, c'est Jordan. Donc, on travaille ensemble au festival et comme. Chercher l'argent. Voilà. Comment. On vit à peu près, pour le moment, on vit dans le même immeuble, donc du coup, on devait normalement sortir ensemble. Pour le moment, non. Normalement, on devait sortir ensemble. Mais, comme je suis mis en retard là, je suis arrivée en retard, lui, il s'est avancé. Ça, t'as changé que le ticket minimum. Non, je suis arrivée à 42, je suis arrivée à l'heure. Je suis arrivée à 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois entrer. Ah, j'ai oublié de vous dire. Il y a comme le 9 euros ticket est actif maintenant, il y a le monde à la gare. Attendez, vous montre. Je ne sais même pas si on va suffire dans le train là. Tu penses qu'on va suffire dans le train là? Tu es parti, mais moi je fous. Il y a si le match aujourd'hui. Tu es parti, mais moi je fous. Je suis parti. Il y a pas, on travaillait souvent quand il y avait le match là. Paul comme ça. En tout cas, on va seulement trouver la place. Je pense. Je ne me vois pas en train de rester debout là, c'est ça va trop fatigué. Le train en ce moment est super plein, super saturé. On a dû courir jusqu'à la fin du train, jusqu'au dernier wagon, pour pouvoir avoir une place. Donc moi, je suis ici, et lui, il est là-bas derrière. Ah, on ne le voit même pas. Mais bon, le train est super, super saturé. Wird heute ein Jahr alt und ich bin nicht auf seiner Geburtstagsparty, sondern hier. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Milo! Happy Birthday to you! Ihr seid die Allergeilsten! Donc en fait là je viens de finir mon deuxième tour de marchandises. Le travail consiste en quoi? Juste remplir mon sac de Wasserreis. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont des petits shots de vodka qu'on vend à 3,50 €. Donc je remplis mon sac de shots. Oh, actuellement mon sac est vide, il n'y a que les glaçons à l'intérieur. Je vous montre. Donc là, mon sac est vide parce que je viens de finir mon shot de vodka. Je n'ai pas encore le rempli. Et puis, je reviens revendre. Donc, je suis censée juste
vendre les vodkas aux gens et ça passe super vite. Genre en 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est trop dit. En 30 minutes, j'ai fini un sac comme ça. Parce que comme on est au festival, les gens aiment bien acheter tout ce qu'il y a de l'alcool. Peu importe ce que tu vends, tant qu'il y a l'alcool à l'intérieur, les gens achètent. Donc du coup, là maintenant, je pars recharger mon sac. Puis je reviens à trouver mon endroit où je vends beaucoup de vodka. Donc c'est mon endroit préféré là-bas. Quand je finis mon sac, je retourne là-bas pour vendre. Et puis je reviens remplir mon sac, ainsi de suite. Donc je fais les tours toute la journée en fait. Je fais les allers et venues toute la journée en remplissant mon sac et en allant vendre. On est censé vendre 20 shots par heure. Mais bon, ça, je vends en moyenne 50-60 par heure. Hein. 60 même, c'est même petit. Donc ça passe, ça va très vite. Donc voici à quoi ressemble mon scanner et c'est avec ça que j'enregistre les produits vendus en fait. Donc si par exemple je vends un shot lemon ice, j'appuie ici, vous voyez ça fait un, et puis je scanne le bracelet de la personne. Tout le monde a des bracelets comme celui-ci que j'ai. Moi j'ai le bracelet du mitabaita, du travailleur, et donc je scanne son bracelet. Ça retire l'argent dans son bracelet et puis ça affiche sur mon truc que okay, la vente a été faite. Donc c'est un peu comme ça, on n'a pas le droit de toucher à l'argent. On le vend avec les appareils ici. Bitte leiste den Anweisungen der Einsatzkräfte und des Ordnungsdienstes folgen. Déguisé en Jésus. Voilà Jésus là-bas. Mais Jésus a mis les bottes. Comment Jésus peut mettre les bottes? Il a gâté son habit. Je suis au stand actuellement. Donc je ne marche pas. Hi!
Il ne marche pas, donc j'attends les clients quand ils arrivent et puis je leur vends les glaces. Je suis avec mon collègue, on fait la pause. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas, dis quelque chose. Je sais pas, dis quelque chose. On a dit deuxième jour que je travaille, je suis avec mes collègues, on attend tous de recommencer le travail. Donc aujourd'hui c'est mon deuxième jour de travail ici au festival. Hier ils nous ont fait la même chose, on est rentré à 18h. Aujourd'hui moi je n'ai pas envie de rentrer à 18h parce qu'on est censé rentrer à 21h. Il n'y a pas envie de rentrer à 18h parce que si je rentre à 18h, je ne suis pas sûre que mon assistant il va me payer. Il va y compter mon argent, ça ne veut même pas les problèmes là aussi là. Donc finalement ils ont renvoyé certains d'entre nous à la maison
et ils ont demandé à certains de rester travailler. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils n'ont pas écrit sur le papier ceux qui devaient rentrer à la maison et ceux qui devaient rester travailler. En tout cas, je suis restée travailler, mais de toutes les façons, j'allais mettre mon heure de sortie 21h parce que c'est pas normal que tu réserves le travail pour une certaine période, pour 12h, 21h, et qu'à 18h, on te demande de rentrer à la maison. Même si on te demande de rentrer à la maison, il doit te payer tes heures. Donc, de toutes les façons, j'ai mis l'heure normale de sortie. Et là, on est en train de rentrer avec mon collègue. On s'est dit, OK, on va s'arrêter un peu, un concert là, pour voir comment ça se passe avant de rentrer. Les amis, donc là on est quelques jours après la fin du festival et puis bon, je voulais juste clôturer la vidéo. En gros, le travail, c'était un travail sur 3 jours. On a travaillé vendredi, samedi et dimanche. En gros, j'ai envie de dire que le travail, ça allait quoi, c'était pas si pénible, ça, c'était pas le travail le plus pénible que j'avais à faire dans ma vie. Au contraire, le travail était trop bien, on a profité du spectacle. On riait avec les gens, ils étaient très très sympas. Mais le problème, c'est que comme il n'y avait pas d'argent, puisqu'on ne pouvait pas toucher l'argent, on n'a pas eu de Trinkgeld, on n'a pas eu de pouvoir, malheureusement. Alors que si c'était genre, on travaille avec l'argent, c'est qu'on aurait eu énormément de pouvoir, bien, près de 100 euros de pouvoir comme ça et poussière. Parce que généralement, lorsque les gens sont sous, ils sont très très généreux, mais bon, pas de chance. Donc du coup voilà, hein, voilà, c'est un travail que moi je referai à filer d'une falle, juste que les pieds à la fin, les pieds à la fin des 3 jours là, ça ne tenait plus trop, hein, ça faisait quand même mal, il faut le dire, hein. Après là, les pieds font vraiment vraiment mal, ça chauffe, ça fait comme ça, pam, pam, pam à l'intérieur.
tellement tu as marché pour aller chercher les clients et tout. Mais sinon, le travail était trop bien. J'ai trop aimé. C'est l'un de mes meilleurs travaux ici en Allemagne. Franchement, je me suis trop bien amusée. Donc, du coup, je ne peux pas cracher sur ce travail. C'était trop bien. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de cotiser pour les étudiants venus de l'Ukraine. J'ai mis le lien PayPal dans la barre de description. Je pense que vraiment, on va arrêter les cotisations le 12 juillet. Parce que même PayPal a dit qu'après un mois là, on ne cotise plus. Donc du coup, j'aime le lien PayPal, j'aime le lien Leti dans la barre de description. Cotisez pour les autres parce que ça pourrait être vous à leur place. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce qu'elle t'a plu? Voilà, commente juste où tu mets juste un cœur si tu n'as rien à dire. Donc voilà, on se prend la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous. Ciao. Kontrolle an, das Ding kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemand schreit. Ich brauch mehr Menschenmarkt, gib ich Samo. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort, yo. Aufgewachsen in der DDA. Reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin Kind, was ein Papa kaum sieht. Täglich Raum mit ner Scheiße für Mathematik. Und ob die mich behandeln, sonst doch wohl nicht. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Frag mich, ob sie vorbeikommen kann. Beim ersten Mal gleich ist es soweit. Das Kind wird uns gerade noch ihre Freundin dabei. Ich hau ab, gehe mir das hier nach Manhattan. Will feiern und vom Dach springen auf Tabletten. Ich bin im Plan, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was kommt von uns, Abi? Was ist mit dir? Was ist mit dem Dreck dieser Stadt? Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Alle Hände hoch! Ich bin von der Zeit, 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 ich bin von der Ze